Je commande à partir d'aujourd'hui. L'Éternel reconstruit tes entrailles.
la douleur disparaît, le mal s'enfuit, l'enfouement disparaît. Si l'Éternel a ouvert ma bouche, je déclare, l'homme que tu vas rencontrer, je prophétise que l'Éternel te donne des enfants, que le robinet de l'enfantement s'ouvre et ne s'arrête plus jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront pour jour par jour. Continue. Moïse et Aaron dirent, oui, à tous les enfants d'Israël, continue, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Wow. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Continue. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Allons-y. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, mais c'est contre l'Éternel. Moïse dit à nous, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Oui.
Alors verset 13 rapidement. Au verset 13. Oui. Le soir. Il survint des cailles. Oui. Qui couvrit le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme le gelée blanche, oui, sur la terre. Oui. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Continue. Moïse leur dit, oui, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Allons-y, Ésaïe 43, verset 19. Voici. Oui. Je vais faire une chose nouvelle, oui, sur le point d'arriver. Oui. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Les fleuves dans la solitude. Oui, allons-y. Les bêtes des champs. Oui. Se glorifieront. Continue. Les chacals et les autruches. Wow. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Continue. Des fleuves dans la solitude. Continue. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Continue. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Continue. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Car tu t'es lassé de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert les brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Amen. Dieu m'a donné sur terre. Voici. Yes. Je ferai toutes choses. Nouvelles. New. Amen. Oui. Dis à quelqu'un, 2020, voici. 2020, dis encore plus fort, 2020, voici. Yes. Yes. Dis encore plus fort, 2020, voici. Je ferai toutes choses nouvelles. Dis encore, 2020, voici. Je ferai toutes choses nouvelles. Vous voyez le passage des autres. Dieu a inspiré ce passage. Par rapport à l'année 2020. Dieu me disait ceci. 2020, c'est l'année de la conquête. C'est que Dieu a promis. What God has promised. Cette année. D'ici hier, il va réaliser ces choses. Non, tu ne vas pas dire Amen. C'est le plus si la prophétie t'a. Cette année, il n'y a pas de l'état de prophétie. Il n'y a pas de l'état de miracle. Il n'y a pas de l'état de changement. Il n'y a pas de l'état de restauration. Il n'y a pas de l'état de transformation. Il n'y a pas de l'état d'élévation. Cette année, c'est que Dieu a promis. Thank you.
la voix de Dieu, l'endroit où Dieu vous a déposé, ne vous déplacez plus. Je parle à quelqu'un. Si moi tu as des moyens pour te déplacer, mais si tu es ta vie, souvent je dis non, mais Jésus est dans ma vie. Ce n'est pas besoin d'entendre sa voix. Si c'est important, même Pierre qui a vu Jésus a laissé Jésus à la maison, il allait pêcher du poisson, mais les jours. Mais le jour où Pierre a consulté Jésus, quand il a entendu sa voix, Jésus dit, prenez vos filets, allez-y, jetez en pleine eau. Je parle à quelqu'un, cette année, il y a des choses que tu n'as pas comme ça. Tu vas entendre la voix de Dieu, et la voix de Dieu sera ton GPS. Je dis, la voix de Dieu sera ton GPS. Qui va te conduire à la destination de l'accomplissement de ta prophétie. L'Écriture explique ceci. Je suis dans le feu. Ils vont quitter vers où lui Égypte. Égypte. Sous la parole. Adam le roi. Dieu a donné. Voilà Dieu à Moïse. Le Moïse. Qu'est-ce qu'ils vont croiser? What the man? Le désert. Mais où d'aller? Souvent on est en Égypte. Souvent l'Égypte là, il y a maintenant pour dormir. Égypte est le plus que Bacchus. Il y a chambre, il y a climatisé, il y a le clim de air. Il y a un confort, tout ça. Le confort. Mais c'est pas le lieu que Dieu fait. Par exemple, le plus que God want you. Je parle de Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le lieu que Dieu veut pour moi. Bah, il y a un peu de je vais chauffer un tiers à quelqu'un, ce n'est pas le lieu que Dieu veut pour moi. Moi, je suis en train de te dire, je ne sais pas comment est-ce que tu as été béni en 2019. Mais 2019, tu as été le chiffre là où tu étais. Le temps est arrivé où tu vas entrer à Canaan. Non, quelqu'un n'a pas jamais parce que c'est maintenant que mon message va commencer. 2020! Ta prophétie sera achevée. Le deuxième sera achevé. J'ai dit que je vais concerner par cette parole. Tu allais me donner la main pour que je puisse chauffer. Quelqu'un m'a dit mon entendu d'entrer dans une nouvelle année. Pourquoi le prophète parle des eaux? Mais pour entrer en 2020, tu vas pas plus loin en 2019. Les eaux parlent de quoi? Déplacement. Elles ont dit déplacement. Elles ont dit aussi mouvement. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Je parle à quelqu'un. C'est après ce jeûne que Satan a fléchi Jésus devant qui? Jésus. Je parle à quelqu'un. Le peuple d'Israël a fait 40 jours dans le désert. Donc cette année, Satan veut. Il ne veut pas. C'est le chiffre de Dieu. Ce qu'il a promis, il va le faire. 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 Tu me dis amen, je vais commencer à chauffer. Tu me dis amen, je vais commencer à chauffer. Tu me dis amen, je vais aggraver les choses. Ce que tu ne sais pas. Je vais chauffer quelque chose. Le peuple d'Israël quitte Égypte. Vous savez pourquoi? You know what? En réalité, en Égypte, le peuple d'Israël était quoi? Esclave. Est-ce que vous savez que you know that? Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont conçu l'Égypte? C'est le peuple d'Israël qui a fait quoi? Qui a construit l'Égypte. Égypte. Amen.
Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand Satan le cherchait, Satan à l'intérieur des hauts cherchait Jésus pour le tuer. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, l'ange a dit quoi? Quand l'enfant fuit à l'Égypte, en Égypte, vous savez ce que Jésus a dit là-bas? Entre nous, Israël c'est un grand pays. Pourquoi il n'a pas caché Jésus à Jérusalem? Pourquoi il n'a pas caché Jésus à Jérusalem? Pourquoi il n'a pas caché Jésus à récupérer ces choses. Voilà pourquoi son retour a annoncé directement la mort de Héro. Je veux dire à quelqu'un, c'était en 2019, tu n'as rien vu, tu étais dans le secret. Les gens t'ont jugé, d'autres ont dit tu es mort, d'autres ont dit c'est fini pour toi. Oh, Dieu t'a mis en Égypte pour aller récupérer les trésors. Et 2020, c'est l'année de la concrétisation, où ce que tu as récupéré, les ténèbres vont exaucer. Ce que tu as récupéré, les ténèbres vont concrétiser. Si j'étais à ta place, j'allais dire, ce message est pour moi, je reçois ce message. C'est pas quelqu'un. Égypte est un pays maudit. Égypte, qu'est-ce qu'on c'est là-bas où il y a la grande machine. Le grand pharaon. Le pharaon. Il dit prenez Jésus. C'était bizarre. Allez-y le cacher. Oui. Aïe. En Égypte. Les gens pensaient qu'il avait fui. Il faut qu'il y ait un avec. Il a fui et puis il a fui. Quand Dieu te dit de fuir, ce n'est pas une fuite chalère. Quand Dieu te dit de fuir, c'est une stratégie. Parce que pour mieux sauter, il faut reculer. 2019, les ennemis pensaient que tu tremblais devant eux parce que tu reculais. Tu n'as pas tremblé, mais c'est une stratégie. 2020, ils vont te voir, c'est leur funérail en même temps. J'ai dit à quelqu'un, on va assister à leur funérail. On va assister à leur funérail. 2020. C'est le dit, tu vas assister à leur funérailles au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi maintenant. La Bible dit, dans le désert, quand Dieu le fait sortir d'Égypte, il est encore où? Dans le désert. Vous savez pourquoi? Dieu ne veut pas partager son témoignage avec quelqu'un. Si le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, et il partait directement dans une maison, ce sont ceux qui sont à cause de nous. Mais quand tu les emmènes en Égypte, ils étaient d'abord quelqu'un en Égypte. Quand tu les prends pour les emmener dans le désert, ils ne sont plus quelqu'un qui était quelqu'un hier. Mais quand ils deviennent quelqu'un qui n'est plus quelqu'un dans le désert, Dieu fait de maintenant quelqu'un. Voilà pourquoi il te dit dès plus fin, les gens vont douter de ton Dieu. Mais la Bible dit la fin de toutes choses. Je suis un homme spirituel. Dans le désert.
La Bible, ils sont éprouvés par Dieu. They are tested by God. Mais qu'est-ce qui descend dans le désert? Walk out to the wilderness. Wow! C'est merveilleux. So wonderful. Qu'est-ce qui descend dans le désert? Walk out to the wilderness. Ça veut dire 2020. Tu serais éprouvé. You be tested. Mais ton ami, your friend, ne pourra pas se comparer à toi. 2020, tu seras le miroir de tes ennemis. Viens, quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, 2020, tu vas faire des frustrations. Parce que tellement tu vas prier dans tes épreuves, tellement tu seras élevé, tellement que tu seras dans l'abondance. 2020, 2020, dans le désert. Yeah.
ton contrat. Qu'est-ce que c'est? Je prophétise la vie de quelqu'un. Toi qui n'as pas pu enfanter, et l'année passée, cette année, ils diront, Aoun, Mouché, Mana, je prophétise, là où tout sera échoué, tu vas réussir à cet endroit. Là où tout sera échoué, tu vas réussir à cet endroit. Si j'étais à ta place, j'allais dire, je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Mais quand Dieu commence à te trouver, quand tu es faut te dire que tu as deux pas de la porte de la gloire. C'est la gloire de l'homme. Quand Dieu te donne des grandes choses, pour ne pas que tu puisses les faire. Pour une autre chose, il prend son temps pour t'aiguiser. Il t'a pas eu la voix, il a ses trois. Quand on s'attaque de temps, on s'attaque de temps, c'est attaché. Il te rend Dieu. Dieu ne t'aime pas. Dans le temps, tu écoutes. Dans le c'est Satan qui t'aime. Satan ou t'aime. C'est bon après. Dans la raison, il t'attache. J'ai pas arrêté. Amen. Tu es pauvre. Va te faire. C'est quoi après le quoi? Le prophète. Le test. C'est Dieu qui est pauvre. Il doit me faire. Mais le tien fait quoi? Le deuxième. Il t'aime. Il t'aime. Moi j'aime les épreuves. À la croix. Parce que si la promesse, le premier jour s'accomplit, après du temps, tu l'as passé où? Il n'y a que pas de les épreuves. Tous les trois. Mais dans les épreuves, le toi, chacun a ça. Destiné. Everyone has a destiné. Quelqu'un va passer avec. Dans le désert, le où la nourriture descend. Le manakam d'Amouche. Je suis sûr. À tous les parents qui là-bas. C'est la même. Donc, tous les mots pour vivre. Alors, de 2020, si quelqu'un décharge de sa maison, ne plaît pas où Dieu pouvoir. Non, quelqu'un m'a pas dit amen. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. 2020, le mari qui serait le premier à quitter son foyer, il n'a qu'à savoir. Qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, plus beau, plus joli, plus riche, plus milliardaire, qui va le remplacer. C'est l'année du changement. Aoun, Aoun, Mouché, Mouché, Man, c'est quoi ça? Amen. Les gens vont te voir début de ils vont tellement pousser. Ils vont penser que tu as compté. Donc, pousse le temps. Le Victor, celui qui pourra dépasser. Le roi nous a parlé, sa fille. Le roi nous a parlé, il va d'abord traverser le carré. Il va plus proche de lui-même. Ils ont pris tous les hommes. Oh, le strong man. Et il m'a envoyé. Le broc. Que chacun regarde. Everybody do it. Il va être caillement. Sors, pour voilà. Il fuit. Et il run away. Donc, dans ça, il n'a pas. Et les gens vont. Un peu mon pouce, il va. Quand il est tombé, quand il faut. Normalement, le caïman est là. Le changement pour qui dit. Quand il a commencé à t'arracher. Quand il est tout le caïman est le marché. Quand il avait dit. En commençant à le conduire. Vers la vie jusqu'au bord du feu. Tu verras de ça. Il va dire à quelqu'un. C'est pas tout le monde qui est né. Non, mais il va dire à quelqu'un. Tu vis et tout le monde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il est là. Moïse. 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 Il était dans l'eau. Il était dans l'eau. Il était dans le caïman n'a pas mangé. Son panier a flotté. Celui qui est mangé par le caïman, c'est celui qui n'a pas de destinée. Ou soit Dieu a fini avec lui. Bon, mais la Bible dit le panier de Moïse va te flotter sur les eaux. Dieu sera toi. Tu verras ça. 2020. Où on pense que tu vas tomber? Laisse les gens te pousser. Quand ils vont te pousser, toi tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu rentres dans ton élévation. Ils ont d'abord poussé, 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 et ils sont à la fin de ta chute. Mais plus ils vont pousser, toi tu prospères. Tu changes de voiture, ton déchange. Non, je vais dire à quelqu'un, cette année est ton année. Cette année est ton année. Cette année est ton année. La main descend du ciel. Maracan dans ton âme, ils ont bougé. Écoute-moi bien, ici, en Égypte, c'est un homme qui ne peut pas. Il demande, mais dans le désert, mais où dans cette chute, il est ici. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. 2020, c'est une année où tu vas bien faire de fort. Parce que c'est l'année de la concrétisation. La concrétisation. Les promesses suspendues vont descendre. C'est là que les gens vont te dire, mais attends. On a fait la même prière. Le comment ça se fait? Et toi, tu prospères. On est mélangé. On n'est pas même chose. On est mélangé. On n'est pas même chose. Si c'est de terre, il y a des gens que Dieu voit. Yeah.
des choses que Dieu remarque. Jean chapitre 2. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Jean? Je parle à quelqu'un. Quand Dieu veut te lever, il te remarque. Mais quand il veut te soulever, il le voit. Le soulèvement n'est pas l'élévation. Quand tu vois quelqu'un, on a attrapé je prophétise que 2020, ce n'est pas l'année du soulèvement, mais c'est l'année de l'élévation pour toi. Tu auras un boulot star, un foyer star, un boulot star, un foyer star, des études seront star. Au nom de au nom de au nom de il y avait un monsieur qui avait un boulot. Il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a appelé. Même quand il dit bonjour, il ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas prêt à partager son argent. Pourtant, il était déjà dans une église. Un matin, il a tout perdu. Quand je le regarde, il me prend une chose. Attends, je dis, mais toi, tu t'en rappelles. Parce que Dieu est venu à l'esprit, maintenant Dieu t'a soulevé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors pourquoi? Quand tu commences à prospérer, pose-toi bien la question. Ah, c'est soulèvement ou c'est élévation? Je parle à quelqu'un. Qui est béni? Qui est béni? À qui le message est bien? À qui le message est bien? À qui le message est bien? Deux plus deux. L'année de là. Il dit voici. Je ferai toutes choses à vous. Sur le point d'arriver. Il dit, je mettrai le chemin dans le désert. Là où les gens ne peuvent pas passer, le désert, toi, sera ton chemin. Parce que tu n'as pas même chose. Dans le désert, toi, tu peux mourir. Et toi, tu n'es pas en péché. Tu vas mourir dans le désert. Je parle à quelqu'un. Par le désert. Poursuivi. Mais il ne connaissait pas lui-même sa destination. La Bible dit, devant la mer, quand on est dans le bâton, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tout le monde tremblait. Il y avait Aaron, il y avait Myriam, il y avait Josué, il y avait Corée, il y avait Caleb. Mais Dieu dit à Moïse, dans cette bouleverse, prends ton bâton. Et dans son bâton. Pourquoi Josué s'est pas présenté? Pourtant la Bible dit en Josué chapitre 1. Josué fils de nous. Nous veut du poisson. Donc Josué pouvait se présenter devant le roi. Mais Josué ne pouvait pas. Parce que Dieu n'avait pas besoin d'un poisson. Donc il a dit. Donc il a dit dans la pièce. Parce que le poisson hors de l'eau. Après le roi. Il passe la valeur. Dans la valeur. Il meurt. C'est dans l'eau, il y a sa valeur. Mais quand Moïse se présente, la Bible dit, la mer où se forme, le monde dit, c'est à cause du bâton. C'est un nom. Le nom que la fille de Pharaon lui a donné, c'est un nom de moquerie. Non, maintenant c'est un nom prophétique. Comment mettre ça de l'eau? Sa maman l'a venu donner un nom. Quand tu te retiens à appeler Moïse, Moïse ne lui va sortir de la mer. Quand il se présente devant la mer, la mer peut lui faire quoi? À toi, moi, il a vaincu les eaux. Quand l'homme a vu, l'homme dit, celui-là, je le connais. Celui-là, je le connais. On est planté. Il chope mon nom. Sorti des eaux. La mer a laissé le passage. 2020, il y a des problèmes qui ne pourront pas résister. Ce qui t'a pas vaincu en 2019 ne pourra pas t'arrêter en 2020. Je prophétise que 2020 a tout portion. La bénédiction va doubler. Ce que tu as dit, si ta vie va se réaliser. Ce que tu as dit, si ta vie va se concrétiser. Tel qu'il dit, est la peine de fort. Je déclare que l'éternel ouvre les églises des cieux et que ça prend tout à son accomplissement. Je parle à quelqu'un. Dans le désert, je vous en ai promis par la peur. Toi, tu auras You mal. Je parle à quelqu'un. Tu auras là, ce que tu as dit, ce n'est pas un homme qui peut le détruire. La Bible dit, il veille sur sa parole pour la compris. Je prie pour toi. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Sache une chose.
autre chose. Le moment de visite. Que l'envoie la main de Dieu. Tu ne vas pas passer par les épreuves. Sa main ne peut pas te toucher. Celui qui a traversé les moments difficiles et qui a rencontré le Seigneur, il n'a pas la même foi. Dans le seul fils, tu peux voir qui tout a l'air. Il a rencontré le Seigneur. Amen de l'or. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu veut faire de toi un adorateur. God man, tu veux que tu vois chez toi. Quand tu passes par les épreuves, il n'y a que lui seul qui est capable. On est limité. Quoi? Believe. Espère aux promesses. Et open your body. Car c'est la promesse. Son oui et Amen. Quand tu promets, il le fait. Tu crois à ton nom. Tu es avec moi, tu es avec moi. Tu es avec moi, je vais vivre mon miracle. Tu es avec moi, je vais vivre mon miracle. Dis, je vais toucher la promesse. Et ce que Dieu a dit, ça va se concrétiser. Ça va se réaliser.